Coucou. Et voilà, comme prévu, comme promis, certaines m'ont dit oui, continue, donc je continue. Je vous retrouve pour le défi multiples consignes, donc du week-end, on va dire maintenant. Avant c'était du confinement, maintenant c'est du week-end. Et donc, ben, je continue ça avec vous. Et moi je trouve ça super sympa. J'ai décidé de les continuer sur trois ATC. J'avais dit que j'avais parlé, je crois que j'hésitais à faire sur une seule ATC. Et puis au final, non, j'aime bien le principe des trois ATC. Donc voilà. Et pourquoi pas me refaire un classeur pour les ranger. Voilà, tout simplement. Bref, pour le classeur, on verra plus tard. Quoi qu'il en soit, on est là pour faire le défi. Donc, vous voyez, j'ai déjà tout préparé. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite qu'avant. Parce qu'avant, je faisais éventuellement deux vidéos ou une, mais d'une demi-heure bien chargée. Donc, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite en préparant vraiment en amont tout ce dont j'ai besoin, tout simplement. Mais en faisant quand même des petites choses avec vous, sinon c'est plus drôle. Donc, voilà. Donc, les défis, les voici, les voilà. Donc, défi du 17 mai. Alors, j'ai même pas fini de tout cocher, mais j'ai tout. Ça, j'ai. Non, j'ai pas ça. Ça, presque. Et ça, j'ai oublié de préparer le petit nœud en ficelle. Donc, pendant que je mettrai pause, j'irai chercher ça. Oui, parce que je vais mettre pause, je le sais d'avance. Donc, il nous fallait des fleurs. Donc, j'ai pris des petites fleurs qu'on m'a offert. Hein. Alors, il y avait deux personnes qui m'en avaient offert, pardon. Alors, il y avait Laetitia, donc le scrap de chat et Nono. J'adore ces fleurs. Par contre, je ne sais pas c'est quelle perfo. Je me demande si ce n'est pas une perfo de chez Action. Moi, j'en ai une, c'est comme ça vient de chez Lidl, c'est dans un gros pack. Mais ça ne fait pas pareil. Donc, j'aime vraiment beaucoup celle-là. Mais je les liquide vraiment très vite. Donc, je vais pleurer, je ne vais plus en avoir. Bref, donc j'ai préparé des petites fleurs. Il me fallait en même temps du papier d'alu en numéro 2. Donc j'ai fait des petites fleurs avec la perfo que je viens de vous montrer, pardon. Donc je les ai fait en alu, tout simplement. Un arbre, il est ici. Un papillon, il est là-haut. Une découpe bordure. Donc j'ai pris une découpe bordure de chez Action. Voilà. Un animal de la ferme, j'ai pris un lapinou. Du rose. Donc il y a du rose dans les fleurs. Hein. Du bleu. Il y en a un peu partout. Une montre à gousset. Donc j'ai fait une découpe de cette montre. Un nœud en ficelle. Donc ça, je l'ai oublié. Barrière au mur. Alors moi, je vais faire un mur. Voilà, avec de la pâte de structure. Hop. Et un sentiment qui est ici, Happy Day. Voilà. Et donc, il fallait aussi une carte à jouer. Donc moi, j'en ai pris trois, vu que je fais sur trois ATC, sauf qu'elles sont un tout petit peu plus petites que une ATC classique. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris il me restait une grosse chute de papier dans lequel j'ai découpé ça, vu qu'il fallait du bleu. Donc, j'ai découpé mes fonds, mes bases, ma montre, ma bordure et mon sentiment. Voilà, comme ça vient tout de la même feuille. Il me reste juste cette petite chute qui me servira bien sûr pour d'autres trucs, mais voilà. Je vais dire que c'est l'occasion de. Je vais essayer au maximum dans ces défis-là de me servir de ce qu'on m'a envoyé. Ça peut être des découpes, des embellissements, autres. Là, c'était un échange. Donc, le petit lapin, les fleurs, on me les a offertes. Donc, à part celle-ci où il fallait de l'alu, c'est moi qui les ai fait. Là, j'avais rien niveau tamponnage ou découpe qu'on aurait pu m'envoyer. J'avais rien. Donc, je l'ai fait moi-même. Le papillon, on me l'a envoyé. Mais c'est aussi. Laetitia. La découpe, on me l'a envoyée au niveau de l'arbre. Voilà, il y a vraiment juste ce que je pouvais pas vraiment, ce que j'avais pas, qu'on m'avait pas envoyé. Bref, vous avez compris, hein? Ce que je n'avais pas, il y a juste ça dont je me suis servi de mon matériel, on va dire, pour le faire. Mais je vais essayer, ouais, d'éliminer, de me piocher dans les découpes et autres tamponnages qu'on m'a envoyés pour pouvoir éliminer un petit peu. Ça, c'est ma jumelle qui déteint sur moi. Voilà. Bref, je reviens à mes ATC. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus petit, pas grand-chose, mais quand même. Donc voilà. Donc ça, je les mettrai après. Je les collerai dessus après. Hop, allez, reviens, Léon. Gaston. Voilà. Il préférait qu'on l'appelle Gaston. Donc, je collerai mes fonds tout à l'heure. Donc, il fallait une carte à jouer. Donc, j'en ai pris trois. Hop. Tant qu'à faire, j'ai pris une suite, j'avais envie, voilà.
Et j'ai pris dans le trèfle parce que les lapins, ça mange du trèfle. Oui, la gounette du jour, bonjour. Donc, sur lesquels j'ai passé un petit coup de gesso blanc, mais vraiment léger. Question que mes magicoles, parce que je me servir des magicoles, bien sûr, accrochent un petit peu. Alors, je ne les ai pas sortis. Hop, c'est celle-là et celle-ci que je veux. Donc, voilà. Mon petit pinceau qui va avec. Hop. Donc, je vais pousser un tout petit peu tout ça pour pas faire de bêtises. Alors, ça va avec ma montre. Je sais pas si je le mettrai. On verra après. Donc, c'est ça qui me manque. C'est ça qui me manque. Je ne les ai pas attachés. Alors, déjà, j'ai réfléchi à comment j'allais poser les choses. Donc, désolée, j'arrive. C'est que j'ai rangé tout mon coin. Dépression nerveuse. Oui, j'ai cru que j'allais faire une dépression. J'ai rajouté des meubles à mon coin scrap. Et comment vous dire que pour ranger après, j'étais trop malheureuse. J'avais la flemme. Mais bon, c'est fait. Mais il y a certaines choses qui ne sont plus à la même place qu'avant. Voilà. Je me sers d'un washi où tout le côté brillant s'enlève. Je ne sais pas si vous voyez. Et juste à faire ça, il s'enlève tout seul. Bref, je me sers de ça. Hein. Quitte à ce qu'il aille à la poubelle, qu'il aille à la poubelle pour une raison. Hop. Alors, j'espère que j'ai mis mes cartes à l'endroit. Ouais, c'est bon. C'était pas grave, c'était pas tout à fait droit. Je m'en fiche. Donc, je vais faire mon petit muret. Alors, je vais pas en mettre partout. Je vais en mettre un petit bout par ici pour ça aille sur les deux cartes. Et pareil, un petit bout par là pour ça aille sur les deux cartes. Donc pour ça, il me faut ma pâte, ma spatule qui est toujours cassée. Hop. Et c'est parti, mon kiki. Alors, par contre, je ne voudrais pas qu'on voie les... Comment dire? La fin, en fait, le droit, le côté droit du mur. Bref, je suis déjà à 7 minutes et je biabiate et je biabiate. Moi qui veux aller rapidement, hein, c'est mal barré. Hop. Voilà pour ça. Vous voyez, je ne veux pas quelque chose de parfait. Je ne veux pas quelque chose de linéaire. Hop. Oula. Eh oui, Marie, si tu bouges comme ça ne va pas le faire. Là. Oh oui, c'est un petit peu burk là. Bon, c'est pas grave. Ça va le faire. Donc ça, je nettoie plus tard. Je pose à côté. Je ferme ma pâte pour pas qu'elle sèche. Je vais mettre pause le temps de sécher tout ça et préparer mon petit nœud en ficelle. Et je reviens vers vous juste après. Donc, me voilà de retour. J'ai préparé mon petit nœud en ficelle qui est là. Hop, j'ai pris de la corde comme ça, là, que j'ai dédoublée. J'ai pris un tout petit morceau et j'ai fait mon petit nœud dedans. Donc là, je viens prendre mes magicoles. J'ai mon bleu et j'ai mon rose. Vu que c'est les couleurs demandées pour les ATC, tous les créas. Bref, dans les consignes, quoi. Hop, je vais mélanger directement les deux. Couleur, de les poser directement sur mes ATC. Et je voudrais quand même garder du blanc en fait, parce que moi je veux rester dans les tons. Je veux que le blanc ressorte quand même. Donc voilà. Hop. Si je me trompe de couvercle, ça va pas aller. Ouais, je la referme maintenant avant de faire une bêtise et de les faire tomber. De toute façon, je pense qu'il y en aura assez. Donc hop. Même trop. Là, alors, paf, paf, paf. On fait bien glisser partout. Je veux pas que ça fasse des grosses taches. Donc, hop. Ça fait tout bizarre là où j'ai mis la pâte de structure. Elle est en train de craquer.
J'aime bien l'effet que ça rend. Alors, c'était pas du tout voulu, mais j'aime bien l'effet que ça rend. Alors là, par contre, ouais, on voit plus rien du rose. Le bleu, c'est limite. Hop. Alors, pendant que c'est encore un peu humide, je vais en mettre un tout petit peu de rose. Mais le bleu, je vais pas en rajouter pour le coup. Même si on voit pas beaucoup, ça me va très bien. Hop. Un petit peu par là. Là. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de faire un zoom. Bien là par là, ça va par là, même là, là aussi. Je bafouille, ça craquelle. Vous voyez? Niveau de la pâte de structure. Je pense avec le pistolet à chaud, ça n'a pas aimé non plus. En plus avec l'eau, surtout qu'il n'y a qu'une couche. Mais j'aime bien l'effet que ça rend. Bref. Voilà. On remet tout ça bien. Zou. Hop, on remet un petit peu d'eau. Je vais essayer de ne pas en mettre trop. Alors, j'ai vraiment pas mis assez de poudre. Autant d'habitude, je suis trop généreuse, autant là. Quoique. Allez, hop. Là, je vais essayer de pas trop tamponner avec mon petit mouche-mouche et je vais plus sécher au heat gun pour que ça reste un peu comme ça. Là, j'aime bien. Un petit peu trop de rose par là. Hop, les petits pâtés là, impeccable. C'est plutôt pas mal. Donc je remets pause et je reviens. Donc voilà, j'ai fini de sécher, du moins fini entre guillemets parce que les bords de la carte n'ont pas apprécié l'eau. Donc c'est encore un peu humide derrière au niveau des bords. C'est pas grave, ça va sécher tranquillement. Je vais venir coller mes petites choses que j'ai à y coller. Donc je pensais mettre la petite bordure sur le côté ici. Donc elle va être trop grande. Je coupe le plus gros. Et je vais recouper après ce qui reste. Je vais avec la petite colle comme ça. Ah, je ne l'ai pas rempli encore. Hop. Ouais, j'aurais pu l'en coller avant de vous reprendre, mais bah, j'y ai pas pensé. Hop, 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 hop. Hop là. Là. Donc, on va venir positionner ça par ici, au bord de ma carte. Là. Plutôt sympa. Je voulais vraiment qu'on voie le fond de mes cartes, qu'on voie ben, que je me suis servi d'une carte. Hein. C'était le but, vu qu'il fallait une carte dans les consignes. Et là, j'aime beaucoup avec le fond comment ça rend. Hop. Il va falloir que je fasse les angles après, plutôt que je les arrondisse un petit peu. Hop là. Je verrai ça. Non, j'allais dire je verrai ça après, mais non, je vais le faire maintenant. Désolée, je suis pas cadrée. Je fais au mieux. Là. Donc, ça c'est bon. J'avais pensé mettre mon petit lapinou par ici. Donc lui, éventuellement, mettre en 3D, ça peut être pas mal. Hop. Dans les oreilles.
Allez. Hop là. Ici. Et hop là. Alors, vous aurez peut-être remarqué que j'ai mis pause le temps de mettre le temps d'enlever les petites opercules de scotch. Si je peux essayer de faire des petites pauses comme ça de temps en temps sans vous le dire à force, forcément, entre guillemets, bah, ça peut me faire gagner 2-3 secondes ou quelques minutes, hein. Voilà, je prends. Alors, elle, j'avais pensé la mettre ici. Oui, ben, en fait, oui, je voulais la mettre avant de avant de mettre le lapin. Donc, on va lui remonter un tout petit peu la tête. Ouais, ça va le faire. Hop. J'ai mis ma colle. Et je vais venir positionner ma montre par ici. Bien, peut-être du lapin. Et hop là. Pour l'instant, je suis plutôt pas mal. L'impression que mon lapin est abîmé. Hop. Donc, maintenant, mon petit arbre, je pensais le mettre par ici. Ouais, il va dépasser. Donc, hop, 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 hop. Je coupe en gros, hein. Hop. On est déjà à 16 minutes. Ouh là là, ouh là là. Bref, hein. Prochaine fois, je serai peut-être mieux. Donc, voilà, pour ça, on vient découper le reste qui dépasse. Je pourrais attendre que ça sèche aussi, mais têtu comme je suis, je vais le faire maintenant. Hop. S'il reste des petits bouts, je le ferai après. Ensuite, donc je vais y mettre mes petites fleurs. Il y a mon petit papillon aussi. Je vais peut-être le mettre par là, lui. Quoique je voulais mettre des fleurs autour. Donc, une en alu, une en rose et une bleue. Hop. Petit papillon, je le laisse blanc. Ah. Hop. Et hop. Ouais, ça peut être sympa comme ça. Ouais, j'ai pas envie de mettre pause cette fois. Non, en fait, j'ai peur en mettant pause d'oublier de remettre lecture à chaque fois. Donc, je fais. Voilà. Puis là, ça va, c'est pas trop long comparé aux autres éléments où il y a plus de détails, où les découpes sont un peu plus grandes. Hop. Donc, une petite fleur bleue là. On va peut-être prendre cette colle-là pour l'alu. Ça tient bien. Oh, je t'ai pas dit de me coller au doigt, toi. Hop, pas trop cacher le papillon non plus. La petite rose ici. Hop, donc je pensais en remettre en bas aussi. Au niveau de l'arbre, c'est ce que je vais faire. Hop. Hop. Et c'est un alu. Ah, quand j'ai vu alu, le reste ça allait. Mais alors, quand j'ai vu aluminium, je me suis dit, oh là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'était pas simple. Au final, je me suis dit, oui, pourquoi pas des petites fleurs, tant qu'à faire. Les marier avec les autres, je trouve que ça fait très joli. Et en remettre trois aussi de l'autre côté, parce que je trouve l'idée pas mal. Hop, et hop. Bah ouais, par là, tiens. Au début, je voulais les mettre en bas, mais en fait, non. Hop. Là. L'autre
ici. Hop, hop, hop. Il nous reste notre petit nœud. Alors, pour le coup, pour la montre à gousset, j'avais le centre et les aiguilles, mais je sais pas si je les mets. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est tellement petit aussi, ce truc. Ça va m'embêter. Viens là, toi. Hop. Ouais, je peux les mettre, ça fait un petit détail en plus. Après, l'heure, on s'en fiche, concrètement. Hop. Ah ouais, pour coller ça, ça va être coton. Allez, c'est la colle qui va me faire perdre du temps, tiens. Hop, ça déborde un peu, c'est pas grave. Ah, mais voilà, ça me colle au doigt. Tourne-toi, tourne. C'est pas vrai. Oh, j'ai perdu du temps sur ça. C'est pas possible, hein. Elle veut pas se mettre à l'endroit. Là. C'est pas du tout centré, cette histoire. Bref. Mais je ne l'ai pas collé, lui. Vas-y. Oh, ça glisse. Bon, on va dire qu'on est bon. Hein, on va dire. Parce que j'ai déjà 21 minutes, c'est abusé. Il me manque mon petit nœud à mettre. Alors, vu que je l'avais zappé, lui, je sais qu'on peut le mettre. Alors, est-ce que je ne peux pas le mettre au niveau de là? Parce que là, j'ai mon petit sentiment. Donc, soit je le mets là. Soit je le mets là. Non, je vais le mettre ici, parce qu'il est un peu grand quand même. Je vais reprendre du double face. Hop, hop. 3D, bien sûr. Question de faire ressortir un petit peu tout ça qui est de la hauteur, on va dire. Et normalement, on sera plutôt pas mal. Je reprends. En même temps, j'enlève ça qui ne va pas s'enlever. Je n'arrive pas. C'est parce que je me dépêche. Alors, on a les fleurs, on a le papier alu, on a l'arbre, on a un papillon, on a une découpe bordure, on a un animal de la ferme. Hein, hop. Ensuite, on a du rose, on a du bleu, on a les cartes de jeu qui sont les supports dans les fonds d'ATC. Hop. Est-ce que c'est droit cette histoire? Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Hein, ça aurait pu être pas mal aussi dans le coin là. Oh, au-dessus, non. Oh, juste en dessous. J'aime bien aussi ici. Ici ou ici? Ah, bah maintenant je vais hésiter. Voilà, Marie. Ah, mais... Non, alors, soit je le mets dans un angle, soit je le mets au niveau des fleurs là. Soit je le mets juste en dessous du... Je vais le mettre là. Bref, donc, on a les cartes de jeu. On a la montre à gousset. Hop. On a le nœud en ficelle. On a le mur. Et on a le sentiment. Et on a fini. Tout simplement. Donc, voilà. Miracle. Marie est finie. En 23 minutes. En presque 24. Bon. Concrètement, je vais attendre que tous les éléments sèchent bien avant de mettre mes fonds. Hop, tôt mes bases. Tôt mettre mes fonds sur mes bases, hein, vous aurez compris. Mais en gros, ça redonnera un tout petit léger bord bleu. Et puis voilà. Voilà. Eh bien, j'aime plutôt cette série. Je trouve ça super joli, l'ensemble, les couleurs et tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop là, je zoome un petit peu. Dites-moi si vous auriez fait différemment, si vous auriez rajouté des choses. Je pourrais rajouter des petits cristal drop bleus. Pourquoi pas? Même rose, même bleu et rose. Allez hop, allons-y. On va prendre ces deux-là. Voilà, je vais faire en mode zoom, hein. C'est pas grave. Ah ouais, en plus le rose, là, c'est un rose métallique. Là, il est brillant. Il est joli comme tout. Hop. Je vais en mettre une sur chaque ATC. Ici, hop. Oh là. Hop. Hop.
Hop. Et j'hésite entre le blanc et le argenté un peu là. Ivoire. Oh, c'est du blanc argenté. Hein. Ouais, c'est du gris quoi. Oh là, ça m'a fait un gros pâté. Hop. Hop. Et hop. Là. Bah, je trouve que ça fait une petite touche bien sympa pour finir. Et ben voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais arrêter de toucher à tout ça. Hop, je dessine moi tout petit peu pour que vous voyez bien. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt fière du résultat. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Bah, sur ce, je vous abandonne. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour un prochain défi ou autre. Et puis voilà. Des bisous. Salut.